Je vis le jour il y a environ 3 siècles, sous le règne de Louis XIV, dans un atelier au fond d'une cour d'un vieux faubourg parisien. Mon parcours au fil des décennies et des siècles qui suivirent fut clairsemé d'embûches qui me firent souffrir. Je m'affaissais, perdis ma marqueterie, je fus oublié. Ce n'est qu'aujourd'hui, 300 ans après, que l'on daigne s'occuper de moi dans un autre atelier où je dois retrouver mon aspect d'origine. Tu vois là, on a tous les bronzes qui manquent, même de façade ou sur les côtés, on les a. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus du tout de dorure. Donc il va falloir les faire redorer ou revernir à l'ancienne. Et puis là aussi, on a le même problème que sur le plateau. Les filets sont manquants et remplacés par de la cire. Et il va nous falloir donc redéposer et restaurer la marqueterie des tiroirs et puis recoller. Le meuble est entièrement démonté. Bronze, serrures sont inventoriées. Vient le tour du bâti, qui subit le même sort. Les emplacements remplis de cire dure ont été dégagés, puis le dessin de la marqueterie relevé. Toutes les pièces manquantes, laiton, bois d'amourette, ont été découpées puis réincrustées une à une dans leur emplacement respectif. La marqueterie reconstituée est maintenue en cohésion par un film de protection, puis l'ensemble est décollé de son support. On voit bien toutes les marques d'oxydation du laiton sur le bois. Et puis ça montre bien aussi que la marqueterie a été découpée en même temps que le fond. Oui, comme les filets là, qui ont été détourés aussi après collage de la marqueterie. Et puis on voit bien ici, on remarque là, sur toutes ces zones, le tracé initial de la marqueterie sur le bâti. Durant le démontage, un prélèvement de colle ancienne a été effectué afin d'être analysé. Cette analyse, faite au microscope électronique à balayage, permet d'identifier la colle d'après sa composition moléculaire. Des analyses identiques ayant été faites sur des colles que nous possédons, nous sommes à même d'utiliser, après comparaison des analyses, la colle se rapprochant le plus de celle utilisée au XVIIe siècle. La mesure de l'hygrométrie doit être identique avant la restauration et de nouveau avant le collage. Cela afin d'éviter au maximum de nouvelles variations de dimension des bois. Avant de recoller les marqueteries, le film de protection qui maintenait leur cohésion a été remplacé par une feuille de plexiglas. Sa dureté permet un maintien parfait de la marqueterie en surface et ainsi une meilleure préservation. Avant d'être définitivement recollé, le bâti est réparé, puis remonté à blanc. Une fois les surfaces préparées, la gravure peut être exécutée d'après des dessins à la Bérin, relevés sur d'autres meubles existants.
Vernis, puis cire sont les matériaux utilisés pour la finition afin d'empêcher l'oxydation du laiton. Après leur dorure, les bronzes sont remontés. La restauration est enfin terminée. Le meuble a retrouvé son éclat et sa jeunesse. Ces quelques minutes qui viennent de s'écouler résument près de 500 heures de travail nécessaires à une telle restauration. Me voici de nouveau prêt à affronter quelques siècles. Peut-être Lamartine avait-il raison. Aurions-nous donc une âme ?